Salut à tous, c'est Manu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la Vuelta Cycliste España avec la BNB Hotel. Ce sera la dernière que nous allons faire puisque la prochaine saison on s'arrêtera après le Tour de France et on ne continuera pas. Et du coup, on est parti tous ensemble autour d'Antoine Hubi qui aura Lenny Martinez et Romain Grégoire comme équipier. On laisse reposer tous les coureurs qui nous ont aidés pendant ce Tour de France, on embarque quand même. Notamment Hugo Pache pour le sprint, même si Paul Penouette est présent et pourrait faire des bons sprints, mais malheureusement, j'ai choisi de ne pas l'embarquer pour se faciliter un peu la tâche. On est parti avec un chrono par équipe qu'on va totalement simuler pour une simple et unique raison, c'est que je suis pas bon contre montre par équipe et qu'on va pas se prendre la tête. On est parti, je pense qu'on va prendre une demi-cartouche, on va bien prendre une bonne minute, je pense. Facile, hein. Facile, une bonne grosse minute dans la gueule. Je sais pas qui sont les grosses équipes en présence. Ah oui, d'accord, il y a la Ineos Grenadier avec que des rouleurs. Combien on a pris? On a pris une 26. Ça fait mal au cul un peu une 26, mais c'est pas grave. On est parti du coup pour cette Volta. Les 10 derniers kilomètres de cette première étape en ligne, et encore 1 minute 50 à rattraper sur l'échappée. Alors, c'est pas des gros coureurs, on est bien d'accord. Hein. Mais il va falloir les reprendre, et pour ça, bah, c'est Yann Polanc qui est en train de s'envoyer, mais je pense qu'on va aller foutre à relayer Axel Lorenz. Je pense vraiment pas qu'on va pouvoir les revoir, mais vous savez jamais dans ce genre de situation ce qui peut se passer. Donc on va emmener Axel Lorenz à l'avant du peloton pour venir rouler. On va reprendre Tanel Kangers qui était déjà complètement cuit, et Corentin Arbenaud va venir prendre le relais d'Axel Lorenz une fois qu'il aura terminé son gros relais. On sera revenu à une 17. Ça va être tendu de revenir. Ça va être en honnêtement, j'ai pas fait gaffe à l'écart avant de me rendre compte qu'en fait personne n'avait roulé tout au long de la journée, donc c'est pas compliqué. Si on va aller faire une place au sprint, il va falloir tout donner, mais à mon avis, je vois l'écart en bas, c'est totalement foutu. La première victoire sur cette Volta va se joindre en coureur d'AG2R et en coureur de la Movistar. On est beaucoup trop loin derrière, on va lancer en force évidemment avec Jérémy Lecros et avec Hugo Page, et la victoire elle va être aujourd'hui. Est-ce qu'elle est pour en local ou pas? Elle va être non. Victoire française. Adrien Guillonnet qui s'impose. Et la troisième place, évidemment, pour Hugo Page. Un peu déçu de ne pas avoir mieux géré ce sprint. Sinon, on aurait récupéré notre première victoire. Mais c'est pas grave. On se retrouve pour la troisième étape. On se retrouve dans le funnel de cette étape vers Malaga. Et Romain Grégoire, Anthony Bianon Bolo sont nos trois derniers coureurs. Dans ce peloton qui est en train d'aller se mettre une mine pour essayer de partir, mais ça devrait rester groupé pour le moment. On va essayer de faire ce que je veux faire, c'est-à-dire ça et ça. Voilà qui est fait. Antoine Hubi qui va essayer de suivre le leader du général. Regarde Carlos Rodriguez qui est troisième, qui lui s'en va chercher le maillot de leader et le préserver pour son équipe. On a Michael Matthews pour la Ineos, évidemment. Alors le problème, c'est que si je fais ça, on va avoir que les coureurs d'Ineos. Hein. Et ils sont communs dans le groupe. Il y a Roger Adria qui est encore présent. Ah, je pensais qu'il aurait de meilleures stats que ça, Roger Adria, pour pas vos mythos. Et c'est tout? Mais ils sont venus avec qui comme Ineos? Ah mais c'est Carlos Rodriguez leur leader, d'accord, ok. Bon, on est parti pour rouler, on va emmener tranquillou le sprint pour notre ami Romain Grégoire. Une petite montée tranquillou. En vrai ça a pas l'air, voilà, ça a l'air d'être une belle bosse, mais on va emmener tout simplement le sprint pour... est-ce qu'on fait ça en vrai? Non mais pas, c'est Alain Bolo qui va emmener, qu'est-ce qu'on se fait chier. J'ai plus l'habitude, j'ai plus mes réflexes dans les stats et tout, il a fallu que je check deux fois, on est parti en Belgel. Bon, Romain Grégoire devrait normalement être capable de venir s'imposer et ramener notre première victoire. On va tourner à droite et on va totalement accélérer dès le pied à Malaga. Ça me rappelle honnêtement une des premières victoires qu'on avait eues avec notre ami Pierre Roland, Michael Matthews qui déborde. On va lancer à 1 km avec Romain Grégoire et Alain Boileau. Tout le monde va s'écarter pour laisser passer évidemment Monsieur Romain Grégoire qui s'en va chercher en solitaire presque la première victoire. Antoine Hubi n'ira pas faire 3, on prendra pas de bonif, on prendra pas de bonif, c'est Thomas Pesenti qui prendra les 3 secondes de bonification restantes. Et du coup, eh bien, on va se retrouver pour la dernière étape de cet épisode. J'enregistre tout à la suite puisque je suis en vacances, que j'ai du temps, mais surtout parce qu'après je pense que j'aurai pas le temps de continuer à enregistrer, donc on va en profiter, direction l'étape 4. 14 km de cette dernière étape que l'on va faire de la Volta pour le moment de l'épisode. Antoine Hubi, Romain Grégoire, Lenny Martinez est encore un peu présent, Alain Boileau également. Mais pour l'instant, l'échappée a été paisiblement reprise et on va évidemment ramener pour Antoine Hubi. On va pas s'emmerder à ramener pour Romain Grégoire puisqu'il y en a un qui joue le général et il y en a un qui joue les étapes. Je vous montre quand même à quoi ressemble l'arrivée d'aujourd'hui. On ne devrait pas avoir de problème à passer de votre côté pour pouvoir venir préparer le sprint, mais si ça décide d'attaquer à l'avant, ouais, c'est Lucas Plap qui va.
Très bien. Luc Clap qui y va. Est-ce qu'on n'irait pas le chercher? 2,5 km. Je ne sais pas si monsieur Romain Grégoire a de quoi finir tout seul. Je ne vais pas vous mentir que. On va arrêter les coéquipiers, ça sert à rien. Vous cramiez à suivre. Dans tous les cas, les potes, on vise pas le classement par équipe. Par exemple, t'as Jérémy Lecroix qui est le dernier à être lâché. Putain, je suis. Félicitations. Vraiment, félicitations pour le coup parce qu'il fallait être là. Et bah, je ne sais pas ce que tu fous là d'ailleurs avec du recul. Est-ce qu'on dit à quelqu'un d'attaquer ou pas? Je ne sais pas trop. On a Rodriguez dans la roue, le maillot rouge. Oh. Ça y va pour faire les points du grimpeur ou je rêve là? Sous tout d'abord ce qui est en train de se passer, il s'en va faire les points pour le grimpeur cet enfoiré. Ouais ouais, on est d'accord. Il s'en va réellement faire les points du grimpeur. On va suivre Elosegui qui lui par contre, à mon avis, il part pas réellement faire les points du grimpeur. Il va essayer de venir faire la descente. Ah vous savez quoi, on va se mettre en curseur, on va essayer de se refaire un tout petit peu d'énergie dans la descente. Avec monsieur Romain Grégoire, 5 bandes de l'arrivée pour cette dernière étape de l'épisode. J'espère que ça vous aura fait plaisir. On se retrouve sur la Vuelta. J'avais fait une petite vidéo sur les anciens PCM. Il devrait y en avoir d'autres, même si je vous avoue que il devait y avoir une vidéo sur un très très vieux jeu PCM et j'ai eu quelques complications. Il va falloir remonter vite, Romain Grégoire. Il va falloir rapidement remonter monsieur Grégoire pour amener. Voilà, Antoine Hubi à l'avant. On va sprinter avec Antoine. Oh là là, Antoine qui s'est fait un petit peu décrocher. Il va falloir revenir, on va pas pouvoir revenir. Ah oh, mais d'accord, j'avais pas vu qui c'était devant. J'avais pas vu, messieurs dames, qui c'était devant. C'est Giacomo Nizzolo qui est présent. Ah oh, on va aller faire 4 et 5, c'est dégueulasse, mais c'est pas très grave. Je m'attendais pas à ce que... Putain, mais Nizzolo, il a passé ça normal, genre. Bon, bah très bien. Eh bien, écoutez, ça conclut notre épisode d'une première victoire. On n'est pas passé loin d'en avoir d'autres, mais malheureusement, encore un petit peu juste. Mais c'est le temps aussi, je pense, pour nos coureurs d'atteindre leur pic de forme. Et ce ne sera que plus facile.